ballon pour Buissova, de la percée la bonnie, Buissova en mode bulldozer, ballon toujours pour les Racing Man, dépasse après contact. Ce petit détail qui peut coûter cher là derrière la très bonne initiative de la Bossy qui va réussir à aller chercher Buissova qui joue les. Les Racing Men avec une possibilité peut-être de contre-attaque sur les extérieurs avec ce ballon pour le Garek, on ne s'est pas entendu avec Buissova. Avec ce ballon pour Decron, à qui sauver maintenant, hein, qui a glissé sur son projet. Alors qu'on s'en. Le ballon pour Chavancy. Attention, ce ballon récupéré par Atisoké qui n'a pas réussi à se rappeler. À l'avant. Atisoké. On sent nos équipes pleines d'envie pour garder cette vitesse, la petite passe supplémentaire. On veut aller sur les extérieurs comme le cherchait Joshua Tussova, c'était la bonne option, malheureusement. Dans un bras de fer, côté Racing. C'est bien Antoine Gilbert qui a cherché un petit peu les extérieurs. Les coups pour le cette petite action, ce petit jeu de main, toujours ces options de leur propre au système de jeu de Lancaster. Et là. Les 15-15 avoir du mal à y trouver l'extérieur et là Antoine Gibert qui est venu demander cette petite passe en profondeur, la très bonne lecture de Gaël Ficou qui va décaler la sauter. Le score est donc de 7-0 en faveur du Racing face à Pau après 13 minutes dans ce match. C'est le deuxième essai donc cette saison. Racing Man avait fait preuve d'énormément de justesse technique et là pour la première fois ils ont tenu le ballon sur plus de 4, 5, 6 temps de. Alors, toujours pour les Palois, Tagui Balou. Même sens. Simons. Gailleton. Le ballon qui va aller jusqu'à Rodil. C'est le doigt qui est touché pour savoir des canets qui s'est fait remettre en place et là qui est en train de se faire frapper. Avec la prise de balle de Diallo. Le retour intérieur sur Buissova qui était attendu. Des départs. Allez, on ne s'est pas posé de questions. On est allé chercher tout de suite Josh Buissova. Et là, vous voyez, il faut 1, 2, 3 joueurs pour le plaquer. Le Garek, Jean-Lancy qui est devant Buissova. Buissova, il va y aller dans la grande de la chaussée. Arbitrage vidéo qui va être demandé. Aucun doute sur le touche à terre, s'il te plaît. Je voudrais revoir la passe à la remise intérieure au milieu du terrain. On arrive toujours à casser un petit placage, on arrive toujours à trouver la bonne action. On a des runs qui sont rapides. On le disait tout à l'heure, Lancaster. On a même un petit péché pour monter de la part de Toussaint. Avec Buissova qui récupère ce ballon. Il ne va pas jouer au pied, il va le retirer. Non. Ah oui, mais il est pris tout de suite. Ligne du Racing, le ballon pour Decron, il va y aller Decron, il est retourné, il n'a pas pu réagir. S'il perd le contrôle du ballon, s'il le ramène au sol, s'il le fait glisser, en plein en avant. En plein en avant, oui. Un bout de ligne. Decron, il est tombé aussi sur Josh Buissova, qui est pas le plus marrant dans cette situation. Donc on rendra le ballon. On rendra le ballon, on verra ici. Tout simplement. Le ballon pour Wonky maintenant. Wonky qui va croiser avec Buissova. Buissova qui est plaqué. Pour les Racing Men. Il y a peut-être un point joué sur les extérieurs. Desperes avec Rodil. Il est plaqué. Le Garek. Reculez. Et on court. Qui va être récupéré par les Racing Men, le Garek à nouveau au pied. Chavancy pour Ficou, le retour intérieur, sur Buissova, puis pas sur le cours à l'arrêter. Ils sont encore un petit peu plus clairs que celle de la première mi-temps, sur un avant. Aussi précis les Racing Men sur ses actions, même si les Palois sont pas une bonne chose au début de deuxième mi-temps. Voilà pour Simon qui va aller chercher Rodi, position déliée, dans sa position déliée. Alors,
Sandra pour Diallo. Alors, vous voyez un petit peu là, sur la transaction là. Bon, on repart dans le fermé avec ce ballon pour Rouville. Dernier encore. Le banc pas loin, il se met ça la semaine prochaine, la réception de Perpignan, ça peut être un,